Allez, salut, bienvenue dans la nouvelle vidéo Cubiteam. Encore une vidéo qui sera donc la troisième et la dernière sur les Émirats Arabes. On va essayer de la terminer aujourd'hui. On a quasiment bouclé les 100% de ce monde-là, donc le 7e monde. Donc on finit avec Dubaï, et puis voilà, donc on a débloqué la dernière course de Dubaï, donc c'est Tempête de Sable. Et écoutez, pour la voiture finale, on va essayer de prendre une qui serait pas mauvaise en vitesse de pointe. Je trouve que celle-là, elle est vraiment très bien. Donc j'ai quasiment joué tout le monde Dubaï avec. Donc là, c'est parti. Alors, vous allez voir que cette vidéo, j'ai pas mal galéré pour faire à la fois le top 1 et en même temps avoir les pièces bleues. Donc voilà, il y a pas mal de galères cette vidéo, c'est 100% sur cette course parce que c'est très très chaud. Voilà, c'est la grosse bataille comme vous pouvez le voir, ça bastonne de tous les côtés. Il n'y a que 3 tours, toujours les 20 concurrents, mais c'est vraiment super serré pour essayer de tout rentrer. Donc on va voir ce que ça donne, quoi. Puis avec ce système de tempête, c'est vraiment... la visibilité forcément elle est réduite, ça limite un peu les options, quoi. Alors ça, je crois que ça se calme en fin de course, il me semble, mais c'est vrai que tout de suite ça te file moins d'options. On peut faire le fou avec des turbos. De toute façon, les turbos, faut essayer de faire très doucement parce que c'est vrai que l'essence tombe très vite avec cette voiture, et puis il n'y a pas beaucoup de recharge tout au long du circuit. Ouais, donc là ça va être tendu. Je crois que je pourrais pas rentrer toutes les pièces parce qu'il y en avait des deux côtés et il y a un côté qui n'est pas complet. Ouais, honnêtement là il vaut mieux recommencer, ça va être impossible de gagner. Même si on fait top 1, ça sert à rien. Une fois pour voir ce que ça donne. Donc là déjà c'est vachement mieux parti, mais bon, c'est quand même pas bien ça. Puis alors ce virage très à chaque fois, je me prends toujours le même. Je refais des poussettes. Ah non, je perds trop de temps. Ça passera pas. Je perds beaucoup trop de temps. Ouais non, là c'est pareil. Je me fais cartonner d'entrée de jeu. Voilà, c'est parti pour être quand même super tendu. Ouais non, là ça le fait pas, c'est pas possible de rester comme ça. Enfin, quand il y a un trop mauvais départ, honnêtement je préfère tout virer. Alors ce qu'il faut savoir au moment du montage, c'est que la course, ça fait au moins 7 ou 8 fois que je la refais. Donc, je vous épargne les multiples tentatives. Et puis là, je réessaye une énième fois pour voir si ça passe. Pour l'instant c'est pas mal, le top départ est bien, j'ai déjà gagné 10 places. La petite poussette qui va bien. Ça c'est toujours sympa. Là c'est doublé, donc j'ai toutes les pièces. Le positionnement était bon. 4 turbos. Normalement ça devrait vraiment bien. Ça sera un bon démarrage. Ce virage déjà.
qui va bien à l'intérieur. Là, c'est très bien parti là. Allez, on est dans le podium, ça devrait passer. Voilà, pour les pièces, c'est bon, enfin. Pour l'essence, on est vraiment pas mal. Encore un turbo, donc pour le dernier tour, logiquement. Là, tout s'enchaîne bien, hein. Il faudrait juste... Ah, ouais, non, là, c'est pas bien. C'est pas bon pour la fin. Mais je recommence pas, ça peut le faire. Vu qu'il y a que deux personnes devant. Enfin, deux bots, parce que pour le coup, c'est pas des joueurs. Hop, c'est bon, plus qu'un. Là il faut rester tranquille, et ça passe. J'ai plus de turbo en plus, plus le droit à l'erreur. Allez, encore un gros virage. Non, c'est bon, et voilà, ça c'est fait. Donc c'est le super trophée, 2 minutes de course, bon, le record, comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand monde comme concurrent, mais je pense que 2 minutes c'est pas trop mal comme chrono, à mon avis c'est possible de le descendre d'au moins 5 ou 6 secondes. Voilà, donc c'est validé. C'est donc la fin des Émirats Arabes, le monde 7 est validé 100%. Vous voyez tous les coupes, les super trophées, la bagnole débloquée, et puis l'amélioration. Il y a le petit carré blanc à droite. C'est pas mal du tout. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo avec une voiture aussi débloquée. Ça, c'est cool, la Royale. Donc la prochaine vidéo, ça va se passer. Je vous le montre de suite. Ça va se dérouler sur le monde suivant. Et en fait, on va aller faire un petit voyage en Inde. Voilà, donc restez connectés. Je vous fais ça très très vite pour les nouvelles courses. A très vite.